Alors, bonjour et bienvenue à la pause café et les trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Je suis quelques minutes d'avance, mais je veux dire, je vais commencer pareil au cas où. Ah, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui a commencé à venir regarder. Alors, je présente tel que promis un projet, une base, comment réaliser une petite pochette de ce genre. Alors, ces petites pochettes-là, c'est vraiment cute. Moi, je vais les utiliser pour insérer un petit chocolat chaud, un mélange de chocolat chaud avec une petite cuillère canne à bonbons. Mais ça peut être aussi pour insérer des ustensiles, peu importe, un petit cadeau qui ne soit pas trop épais non plus. Puis, c'est ça, ça peut être aux invités à la table, soit les ustensiles, comme j'ai dit, ou un petit cadeau. Ou sinon, ça peut faire partie d'un cadeau qu'on glisse dans les bonnes Noël. Alors, je vais commencer dès maintenant. Je vais déplacer mes exemples. Alors, on peut voir ici que j'en ai fait 4 dans le rouge et 4 dans le cerise carmin, qui est un style plus bourgogne. Et puis, je vais poursuivre dans le rouge. Alors, ça, c'est la finition avant de créer des fleurs. Aujourd'hui, je ne montrerai pas comment faire les petites fleurs parce que ça prend des poinçons spécial de Stampin' Up, et puis sont retirés. Par contre, vous pouvez ajouter une décoration telle que désirée de ce que vous avez sous la main ou acheter la petite fleur déjà faite dans les magasins à grande surface. Puis ça, ben, c'est les boîtes à biscuits qui sont au Dollarama. Sont vraiment cute, mais c'est pas du solide. Le couvert est plus solide que la base. Alors, c'est strictement décoratif pour offrir vite, vite. Moi, je vais faire des montages de kits à biscuits à réaliser qui vont être vendus à mon marché de Noël que je vais exposer en fin de semaine. Alors, je vais les utiliser. Alors, c'est vraiment plus décoratif. Pour offrir un cadeau, on met des biscuits là-dedans, mais il ne faut pas échapper la canne parce qu'elle risque de bosser. Alors, de ce pas, je vais commencer. Alors, ce que ça prend pour commencer, ça prend un carton, un papier cartonné. Ça, c'est le Stampin' Up, rouge, rouge. Alors, un papier cartonné de couleur qui s'agencera à un papier à motif que vous avez sous la main. Et puis, on prend un papier cartonné, on le coupe. C'est un 8,5 par 11 qu'on prend, une feuille de papier 8,5 par 11. Et ce qu'on fait, c'est du côté 8, on enlève un demi-pouce. Puis, ça veut dire que ça devient un 8. Puis là, j'ai pas ma règle. Ah, ma règle est ici, mais ma tablette à règle n'était pas là. Alors, du côté de 8 pouces, puis de l'autre côté, on le coupe à 7 écarts. Puis, ça nous fait un extra de papier cartonné comme ça, ici, qu'on peut utiliser pour faire des cartes, des petites cartes cadeaux. Alors, c'est pour ça que le 8,5, je le coupe tout de suite à 8. Puis après ça, je le tourne, puis je fais un 7 écarts. Et je jette le demi-pouce. Ensuite, la prochaine étape, c'est d'arriver puis faire des lignes d'embossage. Alors, on y va avec notre coupe-papier ou notre outil pour faire des lignes de traçage pour faire le pliage. Et on commence, on y va avec du côté de 8 pouces. Alors, j'en ai préparé déjà ici pour vous montrer. Côté 8 pouces, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on arrive, et puis là, ici, la règle, on va l'étirer. Du côté de 8 pouces, on y va, puis on fait... Attendez un petit peu. Côté du 8 pouces. Là, c'est je l'ai trimé, c'est ça. Alors, du côté de 8 pouces, on fait une ligne... On y fait une ligne. Pourquoi j'ai 7 écarts? Bon. Ah, c'est j'ai coupé. Bon, OK. C'est qu'on y va, puis on fait une ligne d'embossage à 1/2 pouce. Et ensuite, moi, je le tourne parce que j'ai besoin de faire une ligne d'embossage à 4 écarts. Alors, je me rends en ligne à 4 écarts. J'ai déjà ma ligne d'un demi-pouce, mais le génial, je m'en vais à 4 écarts et je fais une deuxième ligne d'embossage. Alors, j'ai ma première ligne à 1/4, à 1/2, c'est-à-dire, et ensuite à 4 écarts. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on le tourne 90. Alors, on y va à 90. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut que la ligne d'embossage de demi-pouce est en haut. Et l'autre ligne d'embossage soit, attendez, un column is at the top and the scoring. Ouais. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une autre ligne à demi-pouce. Alors, on tourne notre carton, puis on a notre ligne d'un demi-pouce en haut. On y va, puis on crée une nouvelle ligne d'embossage à 1/2 pouce.
Là, c'est parce que j'en ai fait plusieurs pour faire donner les exemples. Alors, ensuite, ce qu'on fait, on va prendre notre carton, on va le positionner que le demi-pouce de la ligne, il y en a une en haut et il y en a une à gauche. Alors, j'ai ma ligne ici d'embossage. Je vais prendre mon premier carton, non? Donc, je vais prendre lui. Alors, j'ai ma ligne en haut et j'ai ma ligne à gauche. Et là, je m'enligne. On s'enligne. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va à 4 écarts. On s'enligne à 4 écarts. Et puis là, ce qu'on fait, c'est que... Attendez un petit peu. Oui. On fait une ligne 4 écarts. Attendez un petit peu. On la tourne comme ça ici, où on va mieux voir. Alors, j'ai une ligne d'embossage à... Oh, je suis toujours mêlée avec ça. Mais j'ai ma coupe ici. Bon. Alors, j'ai ma ligne d'embossage en haut et ma ligne d'embossage à gauche. Et là, ce que je veux faire, c'est en haut et à gauche. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'enligne à 4 écarts. Puis, ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut voir notre deuxième ligne d'embossage qu'on a ici. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe. Puis là, on coupe jusqu'à la ligne d'embossage ici. Alors, j'ai enligné à 4 écarts. Et puis là, je coupe ici jusqu'à ma ligne d'embossage ici, qui était dans le centre. C'est pour ça que des fois, moi, je me mélange. C'est qu'il faut regarder notre carton. On regarde nos lignes. Puis là, il faut le tourner. On voit mieux de l'autre côté. Alors là, je peux le voir ici. Alors, ce que je peux voir ici, j'ai ma ligne que je vais couper encore une fois ici, comme ça, 4 écarts. Je descends jusqu'à ma ligne d'embossage. Puis là, j'y vais comme ça, puis on l'oublie. Bon, alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on y va avec notre coupe. Alors là, j'ai mon papier cartonné comme ça ici. OK. Puis ici, dans le triangle, il y a un triangle comme ça ici qu'on coupe. Là, j'imagine le carton rouge, on ne voit pas vraiment les lignes d'embossage. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais les plier. Comme ça, on va peut-être mieux voir. Parce qu'ici, on peut mieux le voir. Alors, on coupe. On plie, c'est-à-dire. On plie. Puis ici, ça aussi, on va le couper. On va avoir une coupe de lignes qu'on va couper. Alors, on commence par le bas. Ici, il y a un triangle. Et puis, on le coupe. Puis ensuite, on le taille un petit peu en biais pour que ça ferme mieux. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper le haut ici. Ça ne sera plus nécessaire parce qu'on va pouvoir plier ça comme ça, coller. Vous allez voir, l'assemblage va être très simple. Alors, ce qu'on fait, je reviens comme ça. Mon triangle, c'est mon point de référence. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça ici. Puis ça ici, je n'ai pas besoin de ça parce que c'est ça qu'on va utiliser pour fermer la pochette. Alors, je vais aller couper comme ça ici. Je vais aller jusqu'à ma ligne d'embossage. Puis ensuite, je vais aller couper le haut aussi parce que j'en ai pas besoin. Puis, je vais faire comme ça ici, m'enligner. Voilà. Alors, voilà. Et c'est ça qui est le plus gros de l'exercice. Alors, c'est important de peut-être prendre en anglais, on dit un screenshot de la coupe finale. Qu'est-ce que ça a de l'air? Parce que je trouve que c'est vraiment un bon point de référence. Comme ça ici, vous allez voir en prenant un screenshot. Je l'oublie. Puis l'autre côté, parce que là, ce que vous voyez, c'est comment que ça va fonctionner. C'est qu'on va le fermer. Ça ici, on va le coller pour faire notre pochette. Puis ça, là, ici, c'est de l'excès, de l'extra. On pourrait le trimer, mais on a tous bien de le coller. Ça va solidifier le haut. Alors, ça fait strictement ça, on met de la colle partout, puis on le colle. Puis le bas, ça va être juste les languettes. Après ça, il va rester à décorer. Alors, on y va, comme ça ici. Je vais le recommencer pour... Ici, on coupe. Puis ici, j'ai coupé. Puis ici, j'ai coupé en angle de chaque côté. Le bas et le haut. Mais le bas et le gauche. Comme ça ici. Et puis ça ici, je pourrais même y aller au ciseau. Mais non, moi, je ne suis pas bonne au ciseau. Je ne suis pas droite quand je coupe au ciseau. Alors, j'y vais comme ça ici. Puis, je m'en vais couper ça. Alors,
plus de languette, plus de languette. Juste languette ici dans le bas pour fermer, pour créer la pochette. Alors après, tout ce qu'on fait, c'est qu'on y applique de la colle. On peut y aller de la colle liquide pour coller le rabat qui s'en va en arrière. Puis, je commence toujours plus vers le centre, puis je termine légèrement le rebord. Et si vous avez de la difficulté à ajuster votre débit de colle liquide de Tombow, allez-y avec votre petit outil, votre petit outil de bouteille de précision pour faire le contour. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai pas bien coupé, parce que c'est la question de chaque fois qu'on fait une vidéo ou qu'on fait un live, surtout un live, parce qu'on ne peut pas se reprendre. On peut pas dire, OK, j'arrête, je recommence. Non, non! Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste à peine trimer, puis se croiser les doigts que ça ne débalancera pas tout le reste. Alors, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein? Puis là, ici, j'y vais avec une bandelette, et puis là, comme ça, ça va coller. Puis oui, il n'y a pas de problème, ça a bien été. Alors, je vais avec une bande double adhésif, comme ça ici, puis je rajoute un peu de colle liquide, car je suis sceptique à propos de ces bandes double face comme ça ici. Je trouve qu'il y en a qui ont tendance à décoller, ou selon l'humidité de votre environnement, ça arrive à décoller. Puis l'autre chose très importante, c'est de bien frotter sur votre... Oh, il est cassé. Bon. À force de se promener, puis... On offre des cours, puis quand tu offres des cours, ben, tu te promènes avec ton matériel, puis à un moment donné, ben, tu endommages ton matériel accidentellement. Puis là, je vais y aller avec mon outil pointu pour enlever. Là, je vais m'asseoir. Excusez le bruit. On y va comme ça ici. On enlève la bande. On enlève la bande. Puis, on y va avec un peu de colle liquide, avec ma petite bouteille de précision. Parce que c'est vraiment important, vu qu'il y a de la manipulation qui se fait à insérer cadeau, ustensile, et puis qu'on voudrait que ça soit réutilisé à nouveau, eh bien, on veut s'assurer que la colle, elle adhère bien, puis qu'il y en a, puis que ça reste, que ça colle. Ici, j'aurais pu couper un petit peu la pointe. Là, je ne veux pas mettre de la colle sur mon ciseau, mais je vais à peine pour que ça aille mieux, que ça ferme mieux, hein, quand on ferme comme ça. Puis là, on y va, on referme le tout. Puis, alors j'ai collé le haut, j'ai collé le bas. Puis là, ce qu'on fait, on finit avec la décoration. Alors, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de prendre un papier à motif comme ça, ici, qu'on taille. Et puis, on veut qu'il y ait juste un peu d'espace d'encadrement rouge. Alors, en ce cas-ci, la mesure de mon papier... Et 2 et 3 quarts, puis 3,5. Alors, ça, c'est 3,5, puis ça, c'est 2 et 3 quarts. Et puis là, je vais y aller avec... je vais y aller avec ma colle en roulette, la plus de Saint-Penot. Le Seal Plus, là, il colle très bien. Et j'ai pas de difficulté à manipuler l'appareil, contrairement à l'autre. Je sais pas, là, c'est peut-être que c'était l'un des premiers modèles, là. Et puis, je sais pas, j'avais de la misère. Puis là, ma bouteille est bouchée. Alors, je vais prendre une petite aiguille pour déboucher ma bouteille. Et puis, je vais la remettre tout de suite après l'autre bouteille pour ne pas perdre mon aiguille. Et là, on y va. Et je fais le même exercice. Je contourne de peu fine ligne de colle. J'en mets un peu comme ça ici. Ça permet de faire glisser l'adhésif double face si on n'est pas bien aligné. Alors, ce qui est important, c'est de bien choisir le bon côté, qui est ce côté-ci, en haut de la pochette, et que je vais glisser un peu dans la pochette. Oh non, on voit que ça l'a pas... Oh, c'est drôle. Alors, vous pourriez arriver, puis la faire un peu plus longue. Un peu plus étroite, un peu plus longue, comme on peut remarquer peut-être ici. Attendez un petit peu. Ici, vous voyez. Oh non, je pensais qu'elle allait jusqu'à l'intérieur. Par contre, l'autre, ici, je vais vous montrer l'exemple.
J'ai mis j'ai solidifié, j'ai rajouté une décoration, puis j'ai, en tout cas, je l'ai glissé un peu plus à l'intérieur, le papier à motif. Donc, je l'ai fait un peu plus long, mais il faut faire attention parce que ici, l'insertion ou ce que ça colle, ça peut permettre, ça peut empêcher de faire glisser puis coller le restant de votre papier motif si vous voulez le mettre plus long. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait le mettre un peu plus, un petit peu moins large pour qu'il puisse vous assurer que quand vous allez glisser, pour que ça colle un peu à l'intérieur. Mais voilà. Et puis, moi, par après, c'est ça. J'ai pris des petits napperons que j'avais carrés de Stampin'Up. Et puis, j'ai mis un petit peu de colle. Et puis, ça paraît la colle. Mais vu que je colle après ça un motif de fleurs par-dessus, ça paraît plus. Alors, c'était ça mon projet d'aujourd'hui. J'espère que vous avoir aimé. Vous avez aimé. Mon Dieu. Ma petite démonstration. Puis si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire soit sur Messenger ou en commentaire. Puis regardez, là, ça prend un peu de temps pour que la colle liquide sèche, mais entre-temps, vous pouvez vérifier, vous assurer que les petits raccoins sont bien collés puis qu'il y en a de la colle jusqu'au bout. Parce que comme je disais, il y a de la manipulation, on glisse des petites choses là-dedans. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Si jamais vous avez manqué une partie de la démonstration, vous pouvez la réécouter par après, disons dans les prochaines 24 heures sur ma chaîne YouTube. Merci!